Je vous dis souvent que l'attraction n'est pas un choix. Ça veut dire que vous pouvez être attiré par une personne sans réellement savoir pourquoi, sans que cette personne corresponde à tous les critères physiques que vous appréciez chez les personnes qui vous plaisent. Mais pourtant, cet homme, cette femme va toucher quelque chose de beaucoup plus profond. Cet homme ou cette femme va réussir à s'associer à vos valeurs, s'associer à vos désirs, s'associer à vos envies et répondre à des besoins qu'on appelle inconscients. C'est pour ça qu'on dit que l'attraction n'est pas un choix. On ne maîtrise pas vers qui nous allons être attirés. On ne maîtrise pas vers qui nous voulons devenir, par exemple, amis également. Tout ça, ce sont des attitudes et des comportements qui viennent se loger en général dans l'inconscient. Si aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, c'est parce que je vois beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués pour récupérer votre ex. Vous êtes bloqués pour conquérir un homme généralement qui était très accro au début et qui a commencé à arrêter. Vous êtes bloqué par rapport à une personne qui ne sait plus ce qu'elle désire. Vous êtes bloqué dans votre couple parce que vous voulez faire des efforts, mais vous avez l'impression que la personne que vous aimez n'est pas prête à faire des efforts, à s'investir et à correspondre à vos attentes dans un couple. Je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que toutes ces dynamiques ne vont jamais, et j'ai bien dit jamais, se résorber, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver les solutions si vous restez dans une approche consciente. Si vous restez dans une approche de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle sûrement vous regardez les vidéos, parce que vous apprenez des petites choses, parce que vous apprenez des petits concepts qui vous apportent des grands résultats. Tout ce que je vous transmets aujourd'hui, ça a été prouvé et adapté suite à des dizaines de milliers de coachings. J'aimerais vous dire que l'attraction n'est pas un choix et que quand vous allez chercher à toucher l'inconscient de la personne que vous avez en face de vous, quand vous allez chercher à comprendre comment justement vous mettre en valeur, comment faire preuve de charisme, comment être en mesure que la personne vous écoute, comment être en mesure que la personne prenne en compte vos émotions et que cette personne-là ne cherche pas simplement à recevoir ou à avoir un contrôle sur vous. C'est ce qui apporte le plus de résultats à mes coachés. C'est ce qui fait que depuis 2007, vous voyez des dizaines de milliers de commentaires positifs vous disant à quel point c'est fou, mais ça fonctionne. J'ai envie de vous inviter, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de masterclass, j'ai envie de vous inviter à une masterclass, un événement live en direct qui sera dimanche à 18h. Dans cet événement, je vais vous parler de la communication inconsciente, je vais vous parler de l'attraction inconsciente et comment vous allez pouvoir faire pour que vous puissiez augmenter votre charisme, augmenter votre charme d'une certaine façon et faire en sorte que on vous écoute. Faire en sorte que vous ne paniquiez pas quand vous êtes attiré par un homme ou par une femme. Faire en sorte que vous puissiez avoir des vrais résultats aujourd'hui. Donc si ça vous parle, si vous êtes un petit peu à l'affût des conseils qui peuvent être différents de ce que vous allez entendre de la part de vos parents, de vos grands-parents, de la société, rendez-vous dimanche à 18h. Prenez votre place offerte dans la description qui est juste en dessous. C'est un super événement, on va être ensemble pendant plus d'une heure et quart pour faire le point sur la communication inconsciente, sur l'attraction inconsciente et sur comment vous allez pouvoir mieux vous positionner pour avoir un maximum de résultats. Je vous fais une bise les amis, je vous laisse cliquer dans la description qui est juste en dessous. On n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite, ciao les amis.